la problématique de l'exploitation durable des ressources halieutiques reste un défi à relever par les États membres de la CSRP, la Commission sous-régionale de la pêche. Une exploitation intense et une réglementation non adaptée ont entraîné la surexploitation de plus de 50% des stocks de poissons contenus dans les eaux ouest-africaines. À cet effet, une rencontre portant sur les enjeux liés à la durabilité de la pêche des petits pélagiques a réuni ce mercredi à Dakar des acteurs du secteur. Le PSM et ses partenaires mettent en œuvre un projet qui a comme objectif de promouvoir une gouvernance appropriée de ce secteur, notamment les petits pélagiques. Et dans ce cadre, nous voulons sensibiliser les acteurs de la presse, les informer, mettre à disposition des chiffres et des outils qui peuvent les aider à comprendre les enjeux et les défis de cette pêcherie. Cette rencontre servira notamment de base pour des actions de plaidoyer en direction des décideurs politiques pour une gouvernance appropriée du secteur de la pêche. Les petits pélagiques représentent, constituent une importance capitale au niveau en tout cas des États, surtout des États de la sous-région, notamment au niveau du Sénégal et au niveau de la Mauritanie. Et donc le fait d'une transparence, ça exige donc l'accès à la ressource, comment il faudrait accéder à cette ressource, comment les bénéfices qui sont générés par l'exploitation de ces ressources sont répartis entre les différentes personnes. Il faudra que vraiment nous, en tant qu'acteurs, nous battons pour pouvoir sensibiliser nos autorités au niveau de la sous-région pour qu'ils prennent conscience de cela, parce que l'essentiel de ces petits pélagiques sont consommés par les populations. Le Sénégal fait partie des pays à mer les plus poissonneuses du monde. Pourtant, le panier de la ménagère n'en profite pas. Le poisson s'est fait rare. Pêcheurs, mareyeurs, vendeurs de poissons sont tous unanimes. La denrée est en train de devenir un luxe. D'où la nécessité de préserver les petits pélagiques qui garantissent la sécurité alimentaire de la population.